Bonsoir Jérôme Durin, une réaction sur ce grand chelem entre guillemets, la Saône-et-Loire, qui est ce soir totalement acquise au Parti Socialiste. Je ne suis pas certain qu'elle soit totalement acquise au Parti Socialiste. En tout cas, les électeurs ont choisi la gauche. C'est une très bonne nouvelle pour nos candidats et nos candidates. Dans les plaisirs de cette soirée, il y a évidemment le fait d'avoir réussi ce grand chelem. Il y a aussi le fait d'avoir réussi à donner à cette... À deux circonscriptions des élus femmes, puisque la Saône-et-Loire n'avait jamais eu de députée femme. Et là, avec Cécile Untermaier et Edith Guignot, qui vont faire leur entrée à l'Assemblée nationale, c'est vraiment un très grand plaisir pour les socialistes du département. Alors, Edith Guignot a été élue sous l'étiquette divers gauche, parce qu'on sait qu'elle est...